Présentation 22-7-2016 de nos modèles vergers, particulièrement adaptés pour traiter les noyerets ou les arbres très hauts. Ceci se fait donc chez Monsieur Tauzin à 33 Barry. Je suis accompagné de notre technicien Monsieur Joachim. Et cette vidéo est réalisée par Monsieur William Picamille, 47-200 Marmande. Sachez que notre gamme de pulvérisateurs adaptés pour les traitements noyerets ou, je me répète, vergers tiges très hautes, se présente en trois modèles. Une version simple turbine à rotation inversée, une version biturbine à rotation inversée également, une version 4 turbines, 2 modules de 2 hélices à rotation inversée également. Présentation de la partie hydraulique de ce pulvérisateur. Une pompe 133 litres minute qui peut être remplacée par une pompe de 190 litres minute de débit ou une pompe culasse bronze de 150 litres minute de débit. Ici un 2000 litres tracté. Sachez que ce matériel est conçu en toute capacité jusqu'au 1500 litres portés et jusqu'au également 5000 litres tractés. Tous nos pulvérisateurs sont toujours fournis avec le kit environnemental lavage à la parcelle ainsi que le système de canne aspirante. Pour éviter d'avoir la charge à monter le produit poudre ou liquide au-dessus du réservoir, l'aspiration se fait depuis le sol pour éviter à l'opérateur de respirer du produit pur. Sur ces pulvérisateurs, nous avons également le système de rince-circuit avec une capacité s'approchant des 10% de la capacité du réservoir principal, mais qui a un grand intérêt, c'est qu'on peut neutraliser l'eau claire en retour dans la cuve principale lorsqu'on assurera des lavages. Ce matériel est également conçu avec des marchepieds rétractables pour un accès facile donc en haut du réservoir. Tous les éléments de lavage et de réglage sont toujours placés côté gauche. Et voici également le système donc de rince bidon. En faisant appui sur la pièce jaune, le bidon retourné, cela permet un lavage complet. Et c'est surtout que les produits récupérés retombent dans le réservoir et peuvent être réutilisés. Une béquille rétractable que je peux également déposer si je veux le laisser au parking. Ce pulvérisateur que nous présentons ce jour a un timon classique à chape pour être placé sur la barre à trous. Mais nous avons en parallèle les timons à anneaux pour placer sur les queues de pied des tracteurs. Et ceci soit en transmission classique ou en transmission homocinétique. Ce matériel est également équipé d'un DPAE. C'est donc un système où nous allons informer le débit souhaité par l'opérateur. Et si les buses correspondent, malgré des différences de vitesse, nous aurons toujours le débit que nous avons programmé, le débit épandu que nous avons programmé. Généralement, ce matériel est fourni avec des roues basse pression, soit largeur 400 comme c'est le cas ce jour, soit largeur 500 jusqu'aux largeurs 600 mm que nous plaçons certaines fois sur des grosses capacités de 3000 ou 5000 litres tractés. Des garde-boue également vont éviter de disperser la terre molle quand il n'y aura plus sur la route et les chemins. Je vais présenter maintenant cet ensemble ventilation, double turbines à rotations inversées, à deux vitesses de ventilation débrayables, qui ont une particularité essentielle pour ce type de matériel. Nous avons donc ces deux ensembles ventilation qui sont placés sur une partie arrière, mécano-soudée, mais inclinée.
inclinée pour faire un rapport de la pénétration dans le feuillage plus important que si nous travaillions à la perpendiculaire. Ces éléments métalliques profitent d'une galvanisation à chaud. DG Biflow équipe ce matériel avec l'obturation, un débit réduit. Ici, nous sommes réglés pour 500 litres hectare en débit réduit et 700 litres en gros débit. Et également des gélances. Ce gélance permettra de choisir le spectre de la buse, soit un gélance type crayon, soit un jet très éventail si jamais je le resserre au maximum. Et l'obturation se fera toujours par quart de tour. Ces ensembles ventilation profitent également d'un élément pour moi essentiel, l'orientation hydraulique des voûtes, l'orientation hydraulique indépendante des voûtes. Ce système d'orientation, placé sur des roulements pour ne pas avoir de vibrations mécaniques, permettra donc de pulvériser des vergers à différentes hauteurs et voire différentes largeurs. Nos vérins sont toujours équipés de systèmes de modulateurs de débit pour régler la vitesse du mouvement suivant l'état de la pompe ou le débit de la pompe du tracteur qui entraîne le matériel. Ce multiplicateur à deux vitesses de ventilation débrayable, donc, comme j'ai informé tout à l'heure, est équipé d'un inverseur de rotation. Nous retrouvons sur ce modèle des déflecteurs pour augmenter ou diminuer la pression des rangs. Si nous en avons besoin sur le bas, nous baisserons cette plaquette réglable que l'on va bloquer par la molette plastique, ou si on veut traiter uniquement en hauteur, nous la relèverons pour avoir une augmentation de ce volume d'air sur les tiges hautes. Nous retrouvons de placer sur ces volutes de pulvérisation qui sont à orientation hydraulique des repères allant de 1 à 5, aussi bien sur celle avant que sur celle arrière, pour que l'opérateur puisse revenir à son point initial si jamais il avait modifié entre temps. Toutes nos rampes de pulvérisation sont équipées de vannes pour purger. Lorsque l'on rincera le matériel, nous éliminerons tous les dépôts du circuit dans cette rampe de pulvérisation, aussi bien sur la partie haute que sur la partie basse. Ces pulvérisateurs qui ont l'homologation routière à partir du 2000 litres tracté sont équipés d'un essieu frein, avec frein parking également.